Salon Smile, donc, qui a lieu à La Roche-sur-Foron. C'est le salon des métiers de l'industrie et de l'entreprise. Chaque stand est animé par un ou plusieurs professionnels qui parlent de leur métier. Pour les élèves, c'est important parce que c'est une première approche, une première découverte de tous les métiers qui tournent autour de l'industrie et de l'entreprise. Je le recommande à toutes les personnes qui s'interrogent par rapport aux différentes voies professionnelles. C'est un très bon salon. On avait décidé il y a 3 ans maintenant de faire ce que nous on appelle un showroom high-tech. Et on a introduit le concept d'usine du futur. Mais comment ? Pas en parlant en termes très techniques, parce qu'on a voulu s'adapter à notre cible, hein, de ces jeunes. On leur demande d'imaginer eux-mêmes l'usine du futur. Parce qu'en fait, en 2035, ce seront eux qui seront les acteurs de cette usine du futur. Donc on leur demande, pas nous, hein, un personnage qui a été créé pour l'occasion, Matt, qui est là, qui interagit avec les jeunes. Et durant tout le salon, sur les 2500 jeunes qu'il va voir, il discute avec eux sur le concept d'usine du futur et comment ils voient, eux, l'usine du futur. Et vous voyez comment plus tard le travail en entreprise ou chez vous, depuis votre bureau, de votre canapé, de partout. Ah, qui a dit de partout? C'est toi? Comment tu t'appelles? Donc je fais l'acteur pour ce Pornova Motion. C'est la voix. C'est la voix aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'occupe de faire la voix d'un personnage qui s'appelle Matt, qui a été créé par Fred et qui représente, entre guillemets, la mascotte du Salon Smile.